Bonjour. Alors, une nouvelle saison pour Solidaires d'abord. Alors, cette émission existe depuis 15 ans. Elle était issue d'un collectif dans lequel il y avait, on était trois à représenter ce collectif. Et il y en a un des trois qui est décédé l'an dernier. Donc, je salue sa mémoire parce que c'était quelqu'un vraiment qui a amené plein de bonnes questions à poser, à se poser pour être un journaliste un peu efficace. Et puis le deuxième comparse est un peu âgé, lui aussi a été très très partie prenante à l'intérieur de cette émission. Mais aujourd'hui, dans cette émission Solidaires d'abord, nous avons deux invités. Donc bonjour, Yann, président de Liberté et Solidarité 07. Bonjour, William. Moniteur éducateur dans une association de travail adaptée pour des personnes en situation de handicap. D'accord. Alors, on va venir tout à l'heure sur les sujets qui vous amènent, tous les deux, qui ont à voir avec le pass sanitaire, évidemment. Mais avant, moi, je voulais un peu dire, est-ce que, grâce à Fréquence 7, on a cette information qui est peut-être pas tout à fait pareille que ce qu'on en voit ailleurs, parce que ailleurs c'est la parole unique qu'on a partout. Alors on peut se poser la question, est-ce qu'on est vraiment en démocratie? En tout cas, en démocratie pour les informations, il y a une vraie question. L'information s'est détériorée énormément, elle est détournée, elle est incomplète. Alors, on se retrouve avec du n'importe quoi. On voit la vérité suivant qui nous est en train de nous la donner. Et puis, c'est très incomplet parce que justement, tous les gens qui ne sont pas d'accord, on les interviewe pas. Eux, ils ne sont pas d'accord. Donc, voilà, on sait qu'il y a des gens pas d'accord, mais c'est tout. Alors, ça, c'est quand même très, très difficile que cette information soit crédible et complète et il n'y a pas de débat. Et moi, ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé quand même avec l'histoire du sang contaminé. C'est difficile de faire confiance à un gouvernement par rapport aux questions sanitaires. Il y a eu le conflit du sang contaminé avec des ministres mis en cause, même le Premier ministre. Il y a eu l'affaire du Mediator. Il n'y a pas eu que ça. Non, il y a eu de nombreuses affaires, malheureusement, sur les 2-3 dernières décennies. Il y a eu les prothèses PIP, il y a eu le vaccin contre la grippe H1N1. Donc on a quand même, sur ces dernières années, beaucoup d'exemples, malheureusement, d'une médecine. Alors moi, je dirais pas forcément une médecine qui veut nous nuire, mais en tout cas, ne serait-ce que des erreurs de process dont il faut se souvenir. On parle souvent de devoir de mémoire. Sur l'aspect santé, je pense qu'il y a un devoir de mémoire à faire. Alors, on pourrait se dire, oui, mais quand même, on a des professionnels là, qui nous gouvernent, des gens qui sont sérieux, qui savent très bien faire, très bien gérer les affaires. On voit que, par exemple, sur l'histoire des sous-marins, vous êtes tous au courant que... alors la France se fâche beaucoup avec les États-Unis, ça fait un peu pitoyable d'ailleurs. On imagine vraiment la France se mettre en guerre contre les États-Unis ou contre l'Angleterre, enfin bon bref. Alors Philippe Juvin, alors moi je suis pas forcément de son bord, mais c'est un quelqu'un qui est concurrent pour être à l'élection présidentielle. Il dit, on a l'impression que la France c'est un petit garçon à qui on reprend sa copie. C'est comme ça qu'on l'a entendu dans les médias, n'importe quelle chaîne qu'on allumait. On avait l'impression que ça leur tombait dessus et qu'on leur enlevait leur gâteau, comme s'ils n'étaient pas au courant, comme s'il n'y avait pas des négociations ratées ou s'il ne s'était pas passé quelque chose dont on ignore finalement les issues. Apparemment, ça fait 3 ans que c'est en discussion quand même, tout ça. Et ça fait 3 ans qu'ils pédalent dans la choucroute. Mais c'est des vrais professionnels, donc on peut leur faire confiance. On voit bien pour tout, la suite, c'est pareil. Alors, on est dans une année d'élection présidentielle. Alors, ça vous a pas échappé. Et donc, on sait bien qu'on va nous promettre mont et merveille pour 2030 et plus tard. Mais seulement, il y a une réalité immédiate. Et cette réalité immédiate, alors là, par exemple, 1er octobre, il va y avoir réforme du chômage. Et il va y avoir plein de gens qui sont dans la précarité qui vont se retrouver mal, mais vraiment très mal. Parce que on nous explique évidemment qu'il va falloir, grâce à ça, on va pouvoir faire des économies. On va faire des économies sur justement ce qui permettait à certains d'arriver à rebondir, à essayer de retrouver une suite. En étant au chômage, on n'y est en général pas par choix. C'est pas, Et donc, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il va y avoir une grande manifestation, mais elle est le 5 octobre.
La réforme commence le 1er octobre et la grande manifestation de rentrée sera le 5 octobre. Cherchez l'erreur. Moi, je trouve qu'il y en a une. Hein, mais c'est enfin, plus du on n'en veut pas, c'est du on n'est pas content. Voilà, on n'est pas content. Voilà. Mais bon, donc ça va pas changer le truc. Alors, cette société dans laquelle on est, où justement il y a une désinformation à tous les étages, on se retrouve aussi avec des choses très très bizarres. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle F de souche, alors ça veut dire français de souche, hein, qui est en train de montrer, de faire une liste de tous les islamo-gauchistes. Hein. Alors, on peut se permettre en France, comme ça, de ficher des gens et de se retrouver avec... Enfin, bon, moi, je trouve ça très grave. Hein. Là, on rentre dans un truc où, après, on va monter tel quartier contre tel quartier. Enfin, tout est possible, après, hein, une fois qu'on a commencé à mettre le doigt dans cet engrenage. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a le scandale de la vaccination, il va très loin parce qu'on se retrouve avec un vaccin qui ne peut pas être utilisé n'importe où, n'importe comment, puisqu'il faut qu'il soit à température. Hein, et donc, ça a été choisi comme ça. Ne me dites pas que ça n'a pas été quand même un petit peu réfléchi avant. N'empêche qu'on ne peut pas vacciner dans les pays chauds, hein, dans les pays, donc en Afrique par exemple, on ne peut pas vacciner aussi simplement que chez nous, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour pouvoir conserver au froid les vaccins. Je ne suis pas sûr que nous, en Sud-Ardèche, avec les températures qu'on a atteintes cet été, que la chaîne du froid a été respectée, très franchement, voilà, j'en doute là-dessus. Mais en plus, les généralistes, évidemment, sont complètement squeezés par cette vaccination. Alors les généralistes, c'est-à-dire ceux à qui on fait confiance, ceux qui théoriquement... Dans tous les territoires permettent d'avoir une couverture sanitaire, quoique on peut vraiment se poser la question, parce que maintenant, est-ce qu'en Ardèche, on peut avoir un médecin généraliste facilement? Je crois que tu disais que... La question va de plus en plus se poser, hein, puisque là, depuis le 15 septembre, donc il y a eu la mise en application de l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé ou du médico-social, mais sur des praticiens de santé en Ardèche, il y a déjà un impact assez fort, particulièrement j'ai pu rencontrer des kinés. Hein, donc on sait déjà sur le bassin de l'Ardèche que les kinés sont en nombre limité et il y a quand même un certain nombre de kinés qui arrêtent et des patients qui n'ont plus de suivi, plus d'accompagnement. Donc effectivement, ça pose question. Alors c'est vrai que ces vaccinodromes, ça donne un peu une impression que la santé est devenue une affaire de technocrates. Hein. On a quand même un petit peu cette impression-là. Un espèce de truc centralisé avec des gens sur des ordinateurs qui s'occupent de la santé humaine. Enfin, bon, ça, moi, je trouve qu'il y a un truc là qui ne va pas tout à fait. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, enfin si on peut dire ça comme ça, c'est le pass sanitaire, c'est-à-dire se retrouver avec des gens qui sont obligés de montrer patte blanche et de rentrer dans un truc où, plus loin que les données personnelles, en fait, un regard sur ce qu'ils sont. Hein. Petit à petit, on rentre là-dedans. Moi, je trouve que c'est un précédent extrêmement grave. Je trouve ça complètement fou. Et en plus, alors donc, toi, tu disais, Marie-Claude, que par rapport au vaccin, pour arriver à généraliser le vaccin, parce qu'il y en a même qui vont plus loin que le pass sanitaire, ils veulent généraliser le vaccin. Alors, c'est des gens du PS, tu sais, les gens, pas les traîtres officiels, les traîtres non officiels. Alors, c'est dans le prolongement de leurs idées, hein, de cet été qu'ils ont dit, enfin, cet été, ils en ont parlé. Et donc, il y a le groupe socialiste du Sénat qui font un texte actuellement, là, et ils veulent rendre la vaccination obligatoire pour tous. Et le débat parlementaire devrait se tenir le 13 octobre. Voilà. Alors toi, tu disais tout à l'heure que c'était juste pour se faire voir, pour essayer de refaire surface le PS. Parce que bon, ils auraient un moyen de refaire surface, c'est de dire on a fait une grosse connerie, quoi. Hein, parce que quand même, le gouvernement Hollande, ça a été l'ennemi, la finance. À la place, on se retrouve avec Macron, ministre de la finance, et Macron, par la suite, on voit ce que ça a donné. Mais non, ils diront pas ça. Ils vont aller encore plus loin, quoi. Essayer de faire du vent pour se faire voir. Bon, alors. J'ai un peu fini les généralités généralissimes. Voilà, donc on a au cœur du sujet, c'est que vous deux, là, les invités, William et Yann, vous venez nous parler du fait que ça a des conséquences, le pass sanitaire obligatoire. Déjà,
Il faut savoir qu'il y a eu une mécanique qui était très bien vue, hein, parce que pour ne pas nous avoir tous dans la rue solidaires, ils sont pris au resto, après ils s'en sont pris aux élèves, enfin c'est le calendrier, hein, et maintenant c'est le médico-social qui en prend plein la figure. Et effectivement, Yann peut vous dire que ça génère de gros problèmes au sein des structures. Oui, donc on voit clairement, bon, pas, je vais prendre mon exemple personnel en premier, moi je suis moniteur éducateur dans une structure qui accompagne des personnes en situation de handicap. Voilà, moi j'ai été remplacé par quelqu'un qui est cuisinier de métier, par exemple. Donc là, clairement, on a une perte de compétences. Non pas que voilà, je sois irremplaçable, c'est pas du tout la question, mais ma fonction quand même fait référence à un certain nombre de compétences pour exercer ce métier. Aujourd'hui, ces compétences, elles vont être clairement absentes ou amoindries par les personnels qui vont être remplacés. On a beaucoup de personnel qualifié qui aujourd'hui ne peut plus exercer parce que voilà, il estime que la liberté vaccinale, c'est un choix important. En plus, c'est des professionnels de santé, bien souvent. Donc, quand même, avec une information, hein, faut vraiment pas s'imaginer que c'est des décisions un petit peu farfelues. C'est quand même des décisions, en plus, vu les conséquences, qui sont vraiment réfléchies par ces professionnels. Mais clairement, aujourd'hui, on a, sur le bassin ardéchois, qui est déjà mis à mal au niveau de l'accès aux soins, de la possibilité d'avoir accès à certains professionnels de santé, je pense par exemple les kinés, les orthophonistes, enfin voilà, un certain nombre de professionnels importants qui accompagnent des gens dans un suivi, en plus à long terme, hein, pour des pathologies. Donc c'est, voilà, c'est pas j'ai une entorse, j'ai 15 séances de kiné, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui se fait sur le fond. Et ben, ces gens-là, aujourd'hui, n'ont plus de praticiens. Ouais. Ben nous, c'est particulier, parce qu'en fait, on s'est retrouvé jeudi à recevoir une pression, comme si le président, ça lui tombait dessus, comme s'il n'était pas au courant. Alors que tu parles au nom de l'ESAT, là. Hein. Je parle au nom de l'ESAT, oui, bien sûr, de l'association, parce que je suis concerné de plein fouet par une suspension aussi, comme nombre d'autres. Et du coup, lui, il a eu les annonces le 12 juillet, il aurait pu en anticiper, ne serait-ce que pour les usagers, parce que moi, c'est pour eux que je suis là, parce qu'on ne les entend pas dans, toute cette histoire. Le problème, c'est que, en même temps, nous, on nous prévient au dernier moment, qu'eux, on les prévient aussi au dernier moment, et on leur dit, sur 6 moniteurs que nous sommes, il y en a 5 que vous ne reverrez plus. Donc voilà, on a la chance, si on peut dire ça, on a quand même beaucoup de chance d'avoir une directrice qui arrive depuis peu, qui se retrouve un petit peu au milieu de tout ça malgré elle. Et je pense que si elle avait su, elle ne serait pas venue. Et du coup, elle essaye de soutenir et de... Alors, je t'arrête un peu dans ton flow, ouais. William. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer qu'est-ce que c'est l'ESAT? Et qu'est-ce que c'est sa fonction et voilà. Alors, l'ESAT, c'est une association qui accompagne les personnes handicapées dans un milieu professionnel. Voilà. Personnellement, j'accompagne des handicapés à faire des travaux dans l'espace vert. Voilà, ce qui permet de les amener à une évolution par un accompagnement, que ce soit psychologique, de terrain. On est un petit peu leur grand frère. Moi, c'est comme ça que je vois mon travail. Je suis leur grand frère et voilà, on devient très proche d'eux. Donc, du jour au lendemain, quand on leur dit « Votre accompagnateur, vous n'allez pas le voir, on va peut-être le remplacer par un autre qui n'est peut-être pas du métier », ça leur a jeté un coup de froid et on a vu même des larmes. Enfin, c'était... Je préfère pas trop m'étaler là-dessus parce que ça fait mal au cœur. Du coup, je disais, on a une directrice qui est là et qui essaie de temporiser, qui essaie de trouver le lien entre le président et nous-mêmes. D'ailleurs, voilà, j'ai demandé à ce que Michel l'entende, si on peut passer la directrice. Nous sommes dans l'obligation d'appliquer la loi, hein, les textes de loi. Et nous perdons aujourd'hui, depuis le 15 septembre dernier, 5 moniteurs sur 6 au niveau de l'ESAT et une collègue sur le site de Priva qui travaille sur la résidence accueil. Nous sommes en soutien, nous venons en soutien de ces moniteurs qui ont des convictions
convictions et qui aujourd'hui sont privés de travail alors même que ce sont de très bons professionnels. Ils sont très soucieux du devenir des usagers. C'est un métier d'accompagner des personnes dans le cadre du travail, des personnes vulnérables. Et les usagers vont pouvoir en témoigner. On est dans le désarroi face à cette situation et on souhaite vraiment faire connaître ce désarroi et le dire pour qu'on puisse arriver à trouver une solution pérenne pour les usagers, mais aussi pour les salariés qui se voient privés de leur emploi. Voilà, ça c'était notre directrice. On voit tout de suite qu'elle y met le cœur. En dessous, on a mes deux collègues, on est cinq en tout, hein, mais on en a enregistré deux autres, qui voient bien que la direction, ça fait des mois qu'on en parle avec la direction, et qui nous rassure comme si on allait traverser la tempête, comme s'il n'allait rien se passer, restons discrets. Sauf que c'est pas du tout ce qui s'est passé, on a avancé en confiance, et finalement, on a été pris de court, parce que sinon on aurait préparé nous, nos usagers, en leur disant il se peut qu'il se passe ça, et du coup c'est pas du tout ce qui s'est passé, on a été en confiance, on a avancé aveuglément, et je pense que dans cet enregistrement on va entendre la colère de mes deux collègues. Je travaille à l'ESAT des Perced depuis 11 ans, et avec mes collègues on accompagne un groupe de 27 personnes qui sont en situation de handicap psychique, donc des personnes mentales, des personnes fragiles. Et là, du jour au lendemain, on reçoit un courrier comme quoi on ne peut plus venir travailler parce que nous ne sommes pas vaccinés, alors que toutes les personnes qui travaillent là-bas sont vaccinées, les travailleurs handicapés sont vaccinés, et donc ne feront pas la forme grave. Et puis, depuis un an et demi qu'il y a le Covid, il n'y aura jamais rien eu parce qu'on a tous les protocoles qu'il faut, les masques, les désinfections, et tout va bien. Et là, du coup, nous, le personnel, on est obligé de se faire vacciner. On a fait le choix de ne pas se faire vacciner et du jour au lendemain, rien n'est prévu pour nous remplacer. Les gens qu'on accompagne se retrouvent dans un désarroi terrible. Rien n'a été expliqué, préparé, anticipé. Et nous, on se fait du souci pour eux. On se fait du souci pour nous aussi. Mais bon, nous, c'est un choix qu'on a fait. Mais on nous fait porter cette responsabilité alors que juste, on ne peut pas se faire vacciner. C'est pas... On avait démarré un projet apicole qui avait un effet très positif sur les usagers. Et tout ça n'a pas été pris en compte, en fait. Les usagers n'ont pas été pris en compte dans la décision. Surtout que c'est incohérent, quoi, puisque sur un atelier de 30 personnes, il n'y en a que 3 qui ont une obligation vaccinale. Les autres, non. Donc, pour 3 personnes... qui contamine personne non plus, on ferme un atelier sans prendre en compte la fragilité des personnes, quoi. Je veux dire, voilà, on a des usagers dans un état de détresse psychique qui vont se retrouver comme ça, abandonnés encore une fois, j'ai envie de dire, par des décisions mal réfléchies ou pas réfléchies. Voilà, juste la loi s'applique, hein, d'accord, on en est conscient, mais le code du travail, il est complètement oublié. Et les recommandations de l'ANESM qu'on suit à la lettre pour le bien-être et la bien-traitance des travailleurs, ça s'est oublié aussi complètement. Et ça nous révolte. Voilà, je tiens quand même à rectifier quelque chose. On n'a pas reçu de courrier. C'est un mail. Donc, en fait, les protocoles, même à ce niveau-là, à ce moment-là, ne sont pas respectés. On nous a envoyé un mail, on nous a fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus le lendemain. J'ai même entendu dire que si je revenais, il était possible qu'on appelle les gendarmes parce que j'ai rien à y faire. J'entends que nul n'est censé ignorer la loi et que je n'ai rien à y faire. Moi, j'avais proposé le lendemain matin d'aller faire un déjeuner avec eux et les accompagner psychologiquement, doucement, vers l'absence, le départ de leurs 5 moniteurs. Ça m'a été refusé. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on entende ces usagers. On nous enlève un peu nos moniteurs. Donc, du coup, on est un peu perdu. Mais bon, ils nous obligent à vouloir accorder le pass, comme ça. On est un peu en désaccord, même si on est obligé de travailler, mais c'est une obligation. Bonjour, je suis Claudia, la présidente du CVS. Moi, je suis dans le conditionnement, on fait tout ce qui est épices pour du croc. Et du coup, nous, en fait, on est là pour soutenir un peu les moniteurs, malgré qu'ils ne sont pas fait vacciner. On aimerait bien les retrouver, mais bon, on verra comment ça se passe. C'est facile, je suis obligé de venir tous les jours
avec la boule au ventre. Alors c'est facile de piétiner les gens toute la journée. Ouais. Et ça nous fait mal qu'ils nous enlèvent notre moniteur parce qu'ils sont très sympas. C'est un peu notre oxygène pour le travail. Et comme nous, on a bien être dehors tout le monde, ça nous démotive pour la journée. On ne comprend pas pourquoi ils sont suspendus. Hein. Mmh. On nous passe une muselière, quoi. Mmh. On parle d'égalité, de fraternité, mais qu'est-ce que c'est la fraternité? On se pose des questions, nous, maintenant. Bah, comme les moniteurs qui sont suspendus, on fait les doigts. Donc, moi, j'en mets qu'ils reviennent et tout. Et on verra. En fait, ouais, je m'entends bien avec Cécile et Franck, on fait les doigts. J'ai une bonne... une très bonne relation, on fait du tout, et moi sans eux, on fait du tout, je peux pas tenir. Vous dire que je comprends pas en fait comment ça se fait que nous on n'est pas vaccinés et que les moniteurs ils ont pas le droit de venir. Voilà, le dernier souligne une absurdité dans toutes ces lois, c'est que ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas obligation à la vaccination. Certains ne sont pas vaccinés, on part en camion ensemble, on est protégé, on a les protocoles sanitaires qu'on respecte. Certains ne sont pas vaccinés et nous, on perd un travail parce qu'on ne l'est pas non plus, comme si eux n'étaient pas des êtres humains comme nous, comme si on était vraiment différents, quoi. Voilà. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais donc, Yann, tu avais aussi beaucoup de choses à dire. Oui, donc c'est intéressant, effectivement, ce point précis, parce que on travaille avec... Moi, c'est pareil dans ma structure, hein, c'est des personnes en situation de handicap, donc ils ont le choix de la vaccination. Donc on est vraiment dans ce côté un peu contradictoire. On a des usagers qui sont des personnes vulnérables qui peuvent ne pas être vaccinées et nous, on nous demande de nous vacciner pour se protéger. Alors, bon, déjà, il y a cet aspect-là qui est un petit peu particulier. Ce qu'on a pu s'apercevoir aussi, nous, c'est que, comme disait William, rien n'a été anticipé. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une loi qui a été, l'annonce du 12 juillet, qu'on a tous entendu, avec cette obligation vaccinale. Par contre, personne n'a vraiment bossé la réalité de la situation de ce que ça allait devenir. Donc, nous, par exemple, depuis le 9 août, du 9 août au 15 septembre, on nous a fait travailler dans l'illégalité, puisqu'on avait des tests. Hein, il fallait déjà qu'on présente un pass sanitaire depuis le 9 août. Donc, on a déjà été dans l'illégalité, mais ils n'avaient rien prévu. Personne pour nous remplacer, et au 15 septembre, toujours pas. Donc moi, j'ai contacté l'ARS par rapport à ça, puisqu'on était dans une situation d'illégalité, parce que contrairement au directeur d'établissement, moi, je me suis renseigné sur l'aspect législatif de cette loi et toutes ses conséquences et ses applications. Et l'ARS m'a répondu dans un premier temps, et puis quand j'ai vraiment précisé la situation qu'on vivait actuellement, donc c'est-à-dire qu'on nous utilise en fait de manière illégale jusqu'au 15 pour finir par nous jeter dehors après, donc sans considération pour nous bien sûr, mais sans considération pour les usagers, enfin aucune anticipation ou préparation, et l'ARS n'a plus répondu à mes courriels. Voilà, eux aussi, ils se sont mis à faire un silence total, donc on est vraiment dans une situation... C'est parce qu'il y a un virus informatique. Voilà, certainement, j'imagine qu'il y a dû avoir un blocage ou une maintenance malencontreuse qui tombait ce jour-là. Mais voilà, on a effectivement un gros souci où on voit bien qu'en fait, cette loi n'a pas été pensée. Et aujourd'hui, on est dans le concret, dans l'application de cette loi, et ça crée que des dysfonctionnements. Moi, j'ai du mal à voir à quel moment il y a quelqu'un qui est gagnant dans l'histoire. On a entendu les usagers, ils perdent des gens qui leur sont proches, avec qui ils ont une relation, des personnes qui ont besoin quand même de certaines compétences pour être entourées, parce qu'il peut y avoir des crises liées à des pathologies psychiques, etc. Donc, nous, on perd un travail, les libéraux, ils perdent leur droit d'exercer, on a des patients qui restent en rade, les opérations sont déprogrammées sur les hôpitaux parce qu'il n'y a plus de place. Donc, à un moment, quand on évalue tout ça rationnellement et scientifiquement, c'est une absurdité tout le temps. Et vraiment, il serait temps que les pouvoirs publics s'interpellent sur la finalité de tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on va gagner dans cette situation où l'accès aux soins ou l'accès à un accompagnement est conditionné par une obligation vaccinale et que pour certains et pas d'autres, enfin quelque chose qui tient pas la route deux minutes, quoi. Combien d'absurdités va-t-il encore arriver, parce qu'on en a toute une liste. Bon, alors merci beaucoup à vous, merci Marie-Claude, et à bientôt, et on lâche rien, et voilà. Merci Michel. Merci à vous, et au revoir, merci Marie-Claude. À bientôt. Merci Michel.